genre, parce que c'est pas juste salé, c'est un peu sucré. T'étais pas loin avec tes prunes salées. Merci encore, Angel, pour tes points. Ça se peut que je vous croque des chips de temps en temps dans les oreilles. Bon. Wow. On retourne sur le jeu. Bon. Fait que ça, c'est une maquette. On va essayer d'explorer, là. J'ai pas encore été me promener ben ben. J'ai dormi ici. Les quelques fois, il m'avait gardé pour la nuit. Ça, ici, je vais pouvoir encore changer d'époque, là, avec le nounours. Il me l'avait acheté. Je n'avais rien demandé et je ne le voulais même pas vraiment. Un portable? Mon grand-père devait l'approuver avant que je puisse accrocher un dessin. Oh mon Dieu! Il fallait qu'il fasse approuver ses dessins par son grand-père pour les accrocher sur le mur, là. C'est un peu intense. Ce vêtement m'était destiné, mais il devait rester là. Ma grand-mère n'avait pas confiance en notre machine à laver. Ok, en plus que nos parents étaient fuckés, nos grands-parents aussi, là. Puis le voisinage aussi avait l'air un peu fucké. Tout le monde était fucké dans ce jeu-là. Je ne pouvais pas donner de nom à cet ours. Il m'avait dit qu'il avait déjà un nom, mais ils ne me l'ont jamais révélé. C'est donc là que mon père écoutait les disputes de ses parents et a appris à copier leur comportement des années plus tard. Fait que ça, là, ça veut dire que le gamin qui était enfermé dans le sous-sol, c'était probablement notre père quand il était jeune. C'est un peu triste, pareil. Une boîte à musique. Tu étais toujours si créatif. Pourquoi personne ne te l'a-t-il jamais dit, papa? Cela t'aurait peut-être aidé? Peux-tu interagir avec? Ah. J'ai clairement de quoi à faire. Attends un instant, là. Faut que je comprenne qu'est-ce que je fais, là. Ce n'est pas bien. Pourquoi, papa? Pourquoi faisais-tu du mal à ces animaux? What? Notre père est un psychopathe. Il avait enfermé des oiseaux, genre. Il y a des squelettes d'oiseaux. C'est fucké. Les Sun Chips, c'est la vie. J'ai jamais goûté aux Sun Chips. En tout cas, je pense. En tout cas, j'en achète pas. Je grignote vu que ton souper est prêt dans quasi une heure. Tu t'es fait quoi de bon à manger? Ce sont les mêmes horribles dessins qu'au sous-sol. Tu avais besoin d'aide, papa, pas d'être puni. Ouais, c'est ça. C'est notre père qui était enfermé là. Ah, ici, il y a une espèce de G. Faut prendre je fasse tes symboles-là, hein? Ok, je comprends. Y a-tu d'autres cubes? J'ai un, deux, trois, j'ai trois cubes. Il en manque un quatrième quelque part. Lui ou le nounours? Ok, c'est ça. C'était son ours en peluche. Pourquoi ne me l'ont-ils jamais dit? Pourquoi autant de secrets dans cette famille? Ok. Bon, le losange. Je peux-tu. Si j'y retourne. Ok. Le losange, c'est un espèce de truc comme ça. Là, je peux-tu effacer ce que j'ai fait? Si, mettons, je me suis trompée. Ok, bon, je vais checker. Je vais savoir si je peux l'effacer, là. Bon, ça. Le carré, c'est un espèce de G. Le.
Le rond blanc complètement, c'est un E avec une barre plus courte au milieu. Wow. J'ai comme peur d'aller trop loin. Et le rond, c'est un carré. Et voilà! Un mini pâté à dinde. C'est good, ça. What the fuck? C'est comme une pièce? Ça serait complètement à gauche de la porte. Il y a un X. C'est-tu la pièce où ce qu'on est présentement? C'est quoi que ça représente, ça? L'espèce de cercle avec des lignes. Mais si c'est la pièce qu'on a présentement, la porte est ici. Ça serait genre là. C'est peut-être pas ici non plus, là. Ça doit être un indice pour savoir c'est quelle pièce, là. En tout cas, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il y avait à trouver dans cette époque-là. Est-ce qu'il n'y a rien ici? Ah! Oh! Une bonne cachette. Ok, c'était vraiment cette pièce-là. Ah! La peau de la créature. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Qui peut faire ça à une créature vivante? C'est encore des squelettes de oiseaux. Fait que notre père a été enfermé, a été maltraité plus jeune par ses parents, puis il est devenu un tueur d'oiseaux. Je sais vraiment pas. C'est fucky. Fait que là, j'ai une clé. Je sais même pas encore pourquoi, mais j'ai une clé. Fermé. Ah, ben c'est peut-être pour aller là. C'était effectivement pour aller là. Là, il y a plein de pièces que j'ai pas encore faites, je pense. Fermé. Je peux-tu toutes les ouvrir? Ok, c'est pour plus qu'une pièce. Bon, ok, on va aller là, non? Comme tout le reste ici, regardez, mais ne touchez pas. On va peut-être devoir mettre un autre disque. Je me souviens que mon grand-père plaçait ses livres les plus prestigieux à hauteur des yeux en cas de visite. Grand-père était peut-être un homme horrible, mais il lisait beaucoup. Rien jusqu'à l'horizon. Quelqu'un s'est efforcé de nettoyer ça, mais ça n'a jamais vraiment disparu, comme une tache sur un visage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a dû être une sacrée dispute. Je sens encore la colère dans l'air. Y a-tu un meurtre? Une victime de cette petite guerre, ça c'est une plante qui est tout pétée. C'est comme si un chien enragé s'était déchaîné sur ce canapé. C'est toi qui as fait ça, papa? T'ont-ils enfermé pour cette raison? Ces horribles dessins sont-ils sa manière de dire n'approchez pas? On dirait qu'il y a une trappe ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une trappe. C'est-tu juste pour nous montrer qu'il y a une trappe, le fait qu'on... Oh, non. L'intérieur de ton esprit ressemblait-il à cela, papa? Toute cette rage et cette douleur. Ça, c'est pour retourner. Il y a vraiment de quoi, là, ici. Peut-être que je vais pouvoir y accéder maintenant. Mais en même temps, c'est bizarre. Une trappe si on est au deuxième étage. Si je retourne, ça fait quoi? Ah, il y a un tapis, là.
Voyons, il y a de quoi là? On le voit, il y a un carré. J'ai peut-être pas fait tout ce qu'il y avait à faire. Je clique partout! Des fois, on peut oublier de quoi de facilement, là. Ça, j'ai rien que je peux faire. Ça, je peux pas l'agrandir, mais je le vois en plus qu'il y a de quoi, là. La plante non plus, je peux pas rien faire. Ah, ça, c'est pour retourner. Au pire, je vais laisser de côté. Si j'ai une idée, je reviendrai. Je vais aller voir l'autre place qu'il y avait... que j'ai débarré aussi. Quelqu'un a déjà quitté cet endroit. Cette plante devait être arrosée chaque jour à la même heure. Des plans de construction pour de nouveaux projets et tous couverts de points d'interrogation. Un homme plein de doutes. Immobile, collé. Tout cela est-il irréel aussi? Si je reste ici encore plus longtemps, je risque de rejoindre cet arbre agressif. Ok, c'est vraiment comme une espèce de fenêtre qui mène sur l'autre pièce. C'est bizarre pareil, hein? Un gros rond. Il l'utilisait tout le temps, plus que toute autre chose ici. Le four à micro-ondes. Coûteuse comme ils aimaient. Inutilisé depuis des années et ça ne marche pas. Je l'ai cassé, mais il n'y a personne ici pour m'écrire de choquer. Je suis rendue avec une poignée de frigo. D'accord. Je sais pas à quoi ça va servir encore. Peut-être pour quand je vais changer d'époque. En première page, le musée s'effondre lors de sa soirée d'ouverture, 9 morts. L'architecte Michael G. disparaît, ses grands-pères. Oh, il a disparu. Le grand-père a disparu. Quoi ici? Des numéros de téléphone de médecins et d'hôpitaux en grand nombre. Je vais peut-être pouvoir ouvrir le frigo avec la poignée ici. Pas même une miette. Il n'y avait pas de four micro-ondes il y a 30 ans. C'était un grille-pain. Je me souviens du bruit aigu trop tôt le matin et ma grand-mère chuchotant à la machine de se taire. Je n'ai jamais compris pourquoi il possédait même un four car il ne cuisinait aucun repas, même pour moi. Ça, c'est la même affaire que tantôt. Il lui manque une poignée. Ben, je l'ai. J'allais la chercher dans une autre époque. Des repas surgelés, étiquetés avec le nom de mon père et les jours de la semaine. C'est ça qu'il te donnait au sous-sol, des plats surgelés. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? On dirait un morceau de maquette. Hey, salut Tiger, comment ça va? Je peux pas l'ouvrir. Là, j'ai un plat avec moi, là. Je sais pas ce que je fais avec ça. Je pense que j'ai ramassé ce qu'il y avait à ramasser ici. Fait que là, il me reste encore quand même d'autres pièces à aller explorer. Faut que je me rappelle que j'ai de quoi aller voir aussi, que j'ai pas trop compris quoi faire. Mettons, je retourne. Je suis à partir d'ici. Non. Ah, c'est vrai! Ici, il y avait le truc que ça disait que le ciment était frais. Ça,
cela ne va pas. Puis à partir de là, j'avais pas accès à rien d'autre. Ok. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que qu'est-ce qui me manque, c'est l'autre pièce. Ça ici. Là, quand je change d'époque, je le vois qu'il y a de quoi à terre. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Je peux-tu foutre le feu à la plante? Mon briquet? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Puis pourquoi j'ai la plante? Je pense que je pourrais pas tricher là pour lui. Va falloir que je cache qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai vraiment pas l'air de rien pouvoir faire. Il manque peut-être un objet. Puis dans les autres pièces, ici, j'ai une plante. Ça dit que cette plante devait être arrosée chaque jour à la même heure. Mais j'ai rien pour arroser, là. On peut la brûler, mais non. Est-ce que je peux me promener sur les autres étages? Sinon, j'ai comme pris l'ascenseur, je suis allée au deuxième étage. Puis si je trouve ça bizarre que j'avais rien pantoute, une pièce avec rien du tout, ça serait assez étonnant. Mais il y a vraiment l'air d'avoir rien ici. Je peux pas utiliser l'évier. Comme le micro-ondes, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ah! Ça, dans le micro-ondes! C'est le plat surgelé. J'ai pas pensé. Ah! Là, je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans. Ça, ça fait partie de la maquette. Ah, je peux pas le virer? Je vais aller voir si je peux aller le mettre sur la maquette. Si ça fait de quoi? Ça, là? En tout cas, j'ai l'impression. Peut-être lui de la cabane? Oui, c'est ça. Mais là, j'en ai un autre à trouver. Ça a fait pousser l'arbre. Là, clairement, j'ai un autre truc à mettre ici. Même deux autres trucs. Ok. Là, je vais regarder si je peux reprendre l'ascenseur puis aller voir les autres étages. Ça va peut-être m'aider à me décoincer. Ah oui, je peux aller voir les autres étages. On va aller faire ça. Là, j'étais au troisième étage. Je deviendrai folle au bout d'un jour, mais quelqu'un a dû rester ici pendant des semaines. Genre plein de poubelles. Incapable de partir et obligé de regarder cette horrible peinture, une double torture. Quelque chose est manquant, ça a été bricolé. Ok, deux boutons avec des fils. C'est une drôle de chaise, là. Je n'ai pas assez de force pour l'ouvrir. J'ai besoin d'un bélier ou d'une chose semblable. C'est donc un fucké comme endroit. Là, ok, cet étage-là, moi, je suis vraiment bloquée. Il me faut de quoi à mettre là-dessus pour pouvoir...
devoir forcer la porte, là, clairement. Bon, je peux pas aller plus loin. Ok, on va aller voir les autres étages. Ça, c'était-tu la place où j'étais tantôt? Le rez-de-chaussée? Ouais, c'est le rez-de-chaussée. Puis, je peux-tu aller plus bas? Non. Finalement, j'ai pas ben d'options ailleurs. Ok. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Normalement, à date, depuis le début de ce chapitre-là, quand que j'ai un truc qui me fait retourner comme dans une autre époque, j'ai pas besoin d'un objet extérieur de cette pièce-là. Là, je suis vraiment embêtée à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le pire, c'est ce qui m'énerve, c'est je le vois là. Je le vois qu'il y a une trappe. Qu'il y a de quoi ici, mais j'ai rien que je peux faire. Je peux pas interagir avec. Le dessin. Je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Il me semble que j'ai pas mal tout cliqué, qu'est-ce qu'il y avait à cliquer. Là. Ça, les petits objets, j'ai fait le tour aussi. Putain, non! On clique partout! Non, ça fait vraiment rien. Comme pas très clair, je trouve, celui-là. Parce que c'est le seul que je suis retournée dans le passé et que ça m'a rien donné. La plante, je peux pas interagir avec dans cette époque-là. Le tapis non plus. Ça, oh! Oh! J'ai de quoi de nouveau? Seules les bouteilles les plus coûteuses sont présentées. Les bouteilles les plus coûteuses. Pourquoi tantôt? Ok. On va essayer de cliquer sur toutes. Peut-être j'ai manqué d'autres choses. Les bouteilles les plus coûteuses sont présentées. Ok. Je sais pas... Ça m'aide pas vraiment, par contre. Mais il y a de quoi que je pourrais faire avec les bouteilles. J'ai pas vraiment d'objets en ce moment sur moi. Puis si je retourne dans le passé puis que je clique sur les bouteilles, ça fait-tu de quoi? Non, tu peux pas me payer de rallonge. Mes cheveux sont très bons, sont très bien comme ça. Bon, ça change rien, les bouteilles. J'ai l'impression qu'il me manque un objet.
Mais quel objet? Comme ici, j'ai une plante aussi, là, que j'ai rien fait avec. Oh! C'était-tu comme ça avant? Je pense que l'arbre a poussé, mais ça a pas rien changé pour aller dehors. Il me semble que la porte était pas pétée comme ça tantôt. Ce que je crois. Sauf que par principe, je te le dirai jamais. Un principe de quoi? C'est quoi ces histoires-là? Tu fais tout ça à toutes les filles qui se coupent les cheveux? Ouais, c'est ça, les arbres ont poussé un peu partout. Ça a peut-être changé de quoi ailleurs? Comme péter les fenêtres. Ça me donne pas plus d'objets. Ah, je suis pas venue ici. Ah si, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. J'ai trouvé des nouvelles pièces. Pas d'allure. C'était drôle. Mais les premières, parce que dans le fond, moi, je les coupe. Pas souvent, là. Comme je disais, je les coupe une fois par année, puis je les coupe quand même pas mal court d'habitude. Les premières années, je me rappelle que mon chum aimait pas ça. Il trouvait ça plus cute, des cheveux longs, tout ça. Mais à un moment donné, c'est ça. Il s'en fout à cette heure. Là, c'est la même. Ça ressemble à la boîte à musique du début. Ouais, sauf que c'était pas un crâne d'oiseau. Il est écrit, le plus gros livre contient le plus gros secret. Ah, ça c'est l'espèce de place tantôt que je savais pas quoi faire. Fait que là, faut prendre que j'aille peser sur les livres ici. OK. Ça devrait m'aider. Mon grand-père travaillait constamment, même au lit. Quand même finir de faire le tour ici. Que d'autres pièces? Ma mère devait être vraiment mal à l'aise entourée de tant de richesses. Y a des pièces qui n'ont pas grand-chose à faire. Oh, j'ai trouvé la salle de bain. J'avais parfois peur d'aller aux toilettes, de crainte de casser cette vieille chose. Je la tenais en main. C'est vrai que c'est une fucking vieille toilette comme ça, là. Avec, tu te la clenches comme à tirer pour flusher. Elle est bloquée dans l'eau gelée comme Excalibur. Dans l'eau gelée? Qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas mettre le feu. Il y a comme une grosse poignée dans l'eau gelée. Ah, je peux mettre de l'eau chaude. Ça? Ok, l'eau froide marche, mais pas l'eau chaude. Du coup, si je me fie au fait que c'est bleu et rouge. La flamme a disparu, mais il est peut-être possible de l'allumer. Ben, j'ai un briquet, ça tombe bien. Ouais, et voici de l'eau chaude. Ah! Là, j'ai récupéré. On dirait la poignée pour ouvrir la porte du paradis ou quelque chose d'un peu moins important. Je pense que c'est un peu moins important. Ça manque de poils dans ma caméra parce que j'ai fait couper mes cheveux, ça. Et voilà. Non, je te niaise. Je sais que tu parles du chat, mais là, il est pas là, le chat. Il est parti, il a fini par me chier la paix. Fait que là, je peux aller m'occuper de la bibliothèque de tantôt.
moi je dis que c'est dans l'autre époque. On veut pas la paix, nous autres. Ah, mais attends un peu. C'est pas ça, le plus gros livre contient le plus gros secret. Ah, non. C'est pas la bonne affaire. Peut-être dans l'autre époque. Je suis partie trop vite. Ouais, c'est ça. Ah! T'as peu. Est-ce que je peux mettre ça avec les bouteilles? Je comprends pas. Ah, ben, y'a, niaiseuse! La poignée, c'est pour la... Hein? C'est pour la trappe! Et voilà! Voyons, comment ça se fait? J'ai pas pensé à ça tout de suite. Là, j'ai l'autre partie de maquette. Toutes ces maquettes professionnelles font un peu enfantine. Tant, celle-là, je peux la virer. Tantôt, je peux pas virer l'autre. Bon! Là, j'ai l'autre partie de maquette qu'on peut aller porter. On va voir ce que ça fait. Oh! Attends un peu! Je crois que c'est en rapport à ça. Ah! C'est ça le plan que j'avais. C'est clairement l'écriture de grand-père. Tant de mots fantastiques destinés à tant de femmes différentes et aucun pour grand-mère. Puis j'ai la dernière maquette. Fait que là, j'ai toutes les maquettes. Ah, yes! Bon! Et voilà! Là, ça va défoncer la porte. Je peux accéder à cette place-là. C'est comme un studio caché. Les plans du bâtiment effondré à la recherche d'erreurs pour accuser quelqu'un ou quelque chose. C'est donc ce qu'il fit après le décès de grand-mère. Il a passé son temps à analyser son propre travail. Des factures impayées, des ordonnances du tribunal et des lettres de victimes. Des victimes de quoi? Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Il semble qu'il ait travaillé pendant des années sur ça, son projet de rêve transformé en cauchemar. Je suis peut-être partie trop vite dans l'époque. Là. Je savais pas qu'en cliquant dessus... Ce n'est pas sain de regarder votre plus grand échec chaque jour, comme ma relation avec le miroir dans ma chambre. C'est quoi, elle se considère elle-même comme un échec? C'est un peu intense. Ça ressemblait donc à ça avant l'effondrement. Je sais que mon avis importe peu, mais c'est magnifique. Ah! C'était peut-être trop beau, les humains ne savent pas gérer la perfection, en tout cas je viens de le détruire. Un câble électrique, ça peut être utile. Ça, je vais pouvoir l'utiliser au troisième étage. Good. Ok. Je me souviens de la photo dans le journal. Des personnes furent ensevelies sous le toit effondré. Un homme avec une telle obsession de l'ordre comme mon grand-père n'aurait jamais accepté ça, sauf de lui-même. Bon, on va aller au troisième étage. Let's go! C'est quand même cool comme jeu, pour vrai, moi j'aime ça. C'est intriguant. Les casse-têtes sont le fun. Fait que là, je rajoute le câble électrique. Je viens d'allumer, c'est quoi? C'était de quoi pour les gens en chaise roulante pour monter les escaliers? Une espèce de chaise qui est comme automatisée, là.
qu'il y avait quelqu'un qui était en chaise roulante. Ah, il n'y a pas de problème, Angel. C'est bien correct. Si vous lurquez et que vous êtes dans votre coin en train de gamer, c'est parfait. Je vous accompagne dans votre gaming. Plein de plats pour micro-ondes et de cigarettes, une combinaison écœurante. Moi aussi, je suis coincée. Je commence vraiment à détester cet endroit. N'avait-il pas remarqué la puanteur de cet endroit? Ou peut-être qu'il ne s'en souciait plus? La seule chose séduisante concernant l'architecture, c'est la fabrication de ces maquettes. Quelque chose est caché là-dedans, mais impossible d'y accéder. Pour l'instant. Pour admirer cette chose, je suppose. Il y a un bouton ici. Non, je pense que c'est de quoi qu'on va devoir mettre. Une manivelle ou je sais pas quoi. Est-ce ainsi que tu as fini, grand-père? Cela a dû être déchirant. Je suis désolée, je ne savais pas. C'est clairement un lit d'hôpital. Pourquoi n'a-t-il pas été conduit à l'hôpital? Pourquoi papa l'a-t-il laissé ainsi? Et pourquoi ne suis-je jamais allée lui rendre visite? Ton père l'aurais-tu genre... Se serais-tu vengé un peu de comment il a été traité plus jeune, fait qu'il a décidé de maltraiter son père par la suite? Après genre... il a commis une bâtisse qui s'est écroulée, je sais pas. Encore plus de courriers haineux, plus de factures impayées, comme s'il se punissait également lui-même. Pour les visiteurs qui ne sont jamais venus, pour moi, je suppose. Je suis désolée, mais tu as changé après le décès de grand-mère. Brisé avec un cendrier et personne pour l'entendre. Un miroir qui est brisé. Cette bouteille d'oxygène est vide et n'a jamais été rechargée. Quelle horrible façon de partir. Cette valve n'est pas vissée. Ça, je vais pouvoir l'utiliser pour l'autre truc. Ça fait partie de la bouteille d'oxygène. Ok. Ça, je sais où l'utiliser. Il y a quand même une autre pièce que j'ai pas faite. Je vais aller voir. Donc là, ça ici... Ah, il y a quand même... Ok, ça, c'est la dernière. Ce tableau a été déchiré. Un espèce de symbole? Un C à l'envers? Tellement de livres comme un paon montrant ses plumes. Des lettres d'excuses qu'il n'a jamais envoyées, trop fier pour reconnaître une erreur comme tout le monde dans cette famille. Bon, je vais plugger la valve. On va voir ce que ça donne. Ah, une nouvelle maquette. T'es en train de jouer à Red Dead 2 pour le 100%, ça avance-tu bien? C'est que là, t'es en train de jouer à Red Dead 1 en stream, puis tu continues à jouer au 2 en, en stream. Lost Valley. Oh, j'ai un code à rentrer! Hey, c'est le même symbole qu'on avait sur une des lettres au début. Fait que là, mes indices, c'est des ronds, des espèces de taches, un chiffre coupé, puis ça, c'est le seul qui semble normal.
semble que j'ai pas vu de chiffre. Ça, c'est en rapport à la bibliothèque, c'est déjà fait, ça aussi. Ah! Oh! Ça a fait un 9, puis c'est comme une espèce de tâche. Ça, c'est un rond, mais j'ai pas de chiffre. Ça, je suis pas mal sûre que c'est un 9 pour celui-là. Ça, je suis pas sûre. Peut-être un 0. Oui. Ah, moi, ces temps-ci, hors stream, je suis pas mal sur mes visual novels. Je suis en train d'essayer d'en terminer un. Mais c'est long, ces jeux-là. J'ai ici j'ai un espèce de C qu'il y avait derrière la toile, puis on dirait qu'il y a un V. Mais c'est pas des. Ah! Un 2! Ah! Ça fait un 2! Ça serait probablement le chiffre coupé pour le 2. Oh! Fait que ça serait un 2. Il me manque le... Là, je veux pas le brute force. Je vais essayer de le trouver. Ouais, je suis sur Nightshade depuis un bout. Là, je suis dans la dernière route du jeu. Ouais, j'ai joué un peu à Gas Station l'autre jour. Mr. Fafou m'avait redonné le goût d'y rejouer. Mais j'ai pas joué longtemps, par exemple. Parce que... Peut-être de quoi j'ai pas encore cliqué aussi. Je vais faire le tour. Oh, t'as peu. Non, pas particulièrement. Pour admirer cette chose. Mais là, il n'y a pas genre deux pièces que je peux retourner. Ah, j'avais pas trouvé ça, ça a l'air. Ah, le 1. Le A, ah, le rond. Le rond, c'est le 1. OK. Mais je peux-tu y aller pareil? Non? Fait que le rond, c'est 1. Puis le dernier... Tu me stalks. Ben, je joue pas une tonne de jeux sur PC, hein. La majorité du temps, je joue sur console. Ça, vous pouvez pas me stalker. Il manque un chiffre. J'aimerais bien trouver. C'est quoi? Théoriquement, cette pièce-là, c'est la seule pièce que j'ai rien faite. Non, c'est pas vrai. Il y avait la poignée. Peut-être que lui, c'est fait pour qu'on les essaye toutes.
C'est comme le seul qui a un chiffre normal. Non, je viens de faire le tour. À moins que ce soit un 6. Je pensais que c'était un 9, mais c'était peut-être un 6. Je sais pas, hein. Y a-t-il un piton? J'ai 1, 9, 2. Dans le sens que là, j'ai ma poignée qui est un rond, qui est un 1. J'ai mon 9 avec une tache. Un 9 ou un 6, mais j'ai plus tendance à penser que c'est un 9 avec la manière qui est mis ici. Puis j'avais mon 2 qui est comme coupé en 2. À moins que c'est parce qu'il faut que je ressorte de l'écran avec le bon chiffre, peut-être. Je sais pas, hein. Tiger, toi, tu m'envoies des gifs bizarres, effectivement. Des grimaces de chèvre. Tu m'as coupé le sifflet avec ton kit de hardcore. T'as pas aimé ça? Ah, j'ai trouvé ça drôle. Ah, ici, il y a un 7! Un 7 coupé! Hey, je l'avais pas vu en arrière. Fait que ça veut dire que... Ça, c'est un 7. Puis l'autre, ça sera un 2. Ah! Yes! J'ai trouvé! J'ai trouvé pour de vrai, cette fois-ci. Je peux être fière de moi. Faudrait quasiment que je refasse le niveau 2. Là. Ça a pas de sens comment j'ai skippé tout ça. Merci pour le Didi. Ah... K.O. instantané. Fait que acte 4, l'hôpital, une année plus tard. Mon corps est fatigué, usé, mais je n'ose pas m'endormir dans cet endroit. Cet hôpital avait l'air grand en maquette, mais là, c'est énorme. Un hôpital, ça ressemble plus à une église. Ça a l'air lugubre comme hôpital. Un nouvel endroit et une nouvelle façon de me sentir à nouveau indésirable. Le buste brisé d'un fondateur ou d'un ancien directeur de cet endroit. Un panneau électrique. Ok, je peux soit baisser ou monter le levier. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a une corde, faudrait peut-être choisir le fil. Là. Regardez ça, mon grand-père célébré comme le grand architecte, mais personne ne se souciait de lui en tant qu'homme. Réception clinique, thérapie, MRI, patient. Bon, on va suivre le filage, là. Personne à voir et personne pour regarder. L'opposé aurait été une surprise. Tout est trop grand dans cet endroit. Ça ressemble plus à une machine à vent qu'à un ventilateur. Une machine à vent. What? Rempli d'eau, mais aucun verre nulle part. Mais je n'ai pas soif et je ne me rappelle même pas la sensation de la soif. On dirait vraiment que notre personnage est mort, là. Oh, t'es rendu un pudding au chocolat, Morshiva. T'es passé de vanille à chocolat. T'as-tu une saveur de pudding préférée? Attendre et patienter. Il y a toujours trop de choses à faire pour le personnel, pas assez pour les patients et les visiteurs. Ça a l'air tellement dangereux, le toucher serait du suicide. Ok. Fait que là... Attends un peu.
C'est notre rue, notre maison. Que s'est-il passé? Pourquoi la police se trouve-t-elle chez nous? J'ai tellement mal à la tête que j'ai l'impression qu'elle va briser. En cas d'incendie, mais le temps de lire cette notice, vous êtes déjà à moitié incinéré. Oh, j'ai trouvé un verre. Lorsque l'humanité aura disparu, les extraterrestres seront stupéfaits par la quantité de déchets produits. Fait que j'ai trouvé un verre que je vais pouvoir remplir d'eau, je sais pas, là. T'aimes vanille et pudding? Le meilleur pudding au monde, pudding au chocolat, c'est vrai que c'est bon, hein? T'as jamais mangé de pudding, mais t'adores le chocolat, ok. Mais des puddings, t'en as de toutes sortes, hein? Parce que, je sais pas en France, mais parce que comme les puddings du style flan japonais, un peu comme mes petites emotes, hein? Mais t'as aussi, nous, on a des puddings qui ressemblent quasiment plus à des gâteaux au Québec, là. Genre, juste à penser au pudding chômeur qui est carrément un gâteau trempé comme dans des trucs, une espèce de sauce de sucre à la crème, là. Effectivement, le meilleur, c'est au sirop d'érable. Mais c'est ça, t'as comme plein de styles de pudding, je me dis, là. Des affiches médiales et des brochures. Si vous attendez ici, vous les lisez probablement des centaines de fois. Fermé, mais c'est adapté à la taille de cet endroit pour empêcher quiconque d'entrer. J'arrive à peine à lire, approuvé par les pompiers, ce qui n'est pas trop réconfortant. Fait que là, ça, je vais aller baisser le levier que j'avais vu ici. Oh! Attends un peu. Ça a fait marcher le ventilateur aussi. Il marchait pas tantôt. Ça fait quoi si je mets de l'eau? Rempli d'eau, ok. Là, j'ai un verre d'eau. Peut-être avoir besoin d'arroser de quoi à un moment donné. Ah, je suis revenue sur mes pas. Mauvais côté. Mais là, je peux jouer dans ce panneau-là. Je peux pas? Ok. Il faut que je trouve le moyen d'ouvrir la porte. Est-ce qu'ils veulent que je fasse un court-circuit, genre, en crissant de l'eau là-dessus quand c'est en train de fonctionner? Je vais essayer voir. Il me semble que c'est dangereux, mais bon. Let's go. On va essayer ça. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Ouais! J'ai fait péter la télévision! Je dois sortir d'ici. L'eau fait plus mal que la fumée. Je n'arrive pas à respirer. Je ne peux pas respirer. Bon, sortons d'ici. Cette porte s'est refermée en claquant tellement fort que j'ai cru que le bâtiment avait tremblé. OK. Tout a été abandonné sur place, comme si des cambrioleurs étaient venus. Mais rien ne semble avoir été volé, je pense. Étage 1, thérapie et mari patient. OK. Abandonné ici comme la plus grosse miette au monde. On dirait une capsule de transport futuriste, mais super petite. Les gens deviendront peut-être tout petits dans le futur. C'est effectivement très étrange. C'est un contenant spécial. C'est un objet. Vide. J'espère que cet endroit n'est pas infesté de vampires ou de chauves-souris voraces. C'est une poche de sang, ça. Elle était connectée à une statue. Presque réaliste, ce qui la rend encore plus sinistre.
Donc bizarre comme hôpital. C'est bizarre. J'ai vu ça dans un film. Ça sert à regarder dans votre tête. Ça transforme des parties du cerveau en bleu. J'ai jamais passé dans une espèce de scanner de même. Je dois me dire si ça doit être une bonne chose que j'ai jamais passé là-dedans. Mais ça a pas l'air agréable, honnêtement, là. Oh. Ah! Oh! Ça me fait traverser. OK, c'est pour changer de pièce. OK. Ah! Là, je clique dessus en me demandant si ça va faire autre chose, mais. Je vais checker s'il y a d'autres choses dans le décor. Il contrôle ce tube de là à les veines de ce bâtiment. Ah! Un mécanisme vraiment ancien pour un bâtiment aussi moderne. Ah, oh, ça me permet peut-être d'aller à une place différente. Je sais pas trop, là. OK. Non, ça m'amène au même endroit. C'est bizarre. Sont-ce mes images cérébrales ou celles de ma mère? Révèle-t-elle notre traumatisme? C'est gossant. Non, je veux pas m'en aller tout de suite. Ok, je pense que j'ai rien d'autre à cliquer ici. Là, je peux aller là. Il y a un voyant à l'intérieur, ce n'est donc pas cassé, mais il ne se passe rien. Il a besoin de quelque chose. Ok, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve. Ah, oh! Ça serait-tu ce truc-là? Non. Ok, c'est pas ça. Ce sont des pilules. Pourquoi faire et pourquoi autant? Ben, dans un hôpital, ça se pourrait bien qu'il y ait autant de pilules. Aussi vide et sombre que moi. Et notre personnage, pour vrai, là, c'est pas le plus joyeux de la planète, hein? Je dois ouvrir ça, mais est-ce sûr? Je ne veux pas tomber malade, même dans un hôpital. Ça ressemble à ce truc-là. Non? Parce qu'il y a le même signe. Ça non plus. Oui, pour vrai, Morshiva, comme je disais, quand les gens raid, je stream pas mal de variétés. Pour de vrai, il n'y a pas de thématique sur le channel. C'est sûr que j'ai quand même des préférences sur certains jeux, mais j'aime ça essayer un peu de tout, puis essayer de varier le plus possible. Puis j'ai quand même débuté beaucoup de séries qu'il faudrait que je continue éventuellement. Là, je pense aux Yakuza, les Resident Evil, les Silent Hill, Horizon, il y a le deuxième, à Plague Tale, qui est le deuxième que j'ai pas joué. Fait que là, mon but, ça serait d'éventuellement de continuer et finir les séries de jeux que j'ai startées. Il y a Red Dead aussi qu'il va falloir que je fasse l'autre. Puis c'est sûr que je vais en racheter dans le tas. J'en ai vraiment plein là, que j'ai commencé en fait. Les Zelda, il y a plein de Mario que je veux faire. Ouais, c'est ça, à Plague Tale, hein? Ouais, Monkey Island, j'ai déjà vu un peu en stream. Comme je disais tantôt, c'était pas mal un classique. Mais ça, c'est le deuxième point and click que je fais en stream. Parce que c'est un style que j'ai rarement joué hors stream, dans le sens que j'en ai pas fait beaucoup. Puis je trouve ça le fun, pour vrai, c'est bien. C'est le fun comme jeu. Puis le seul autre point and click que j'ai fait, c'est à Dead of Night, mais c'était un style horreur aussi en même temps. Là, je suis pas sûre ici qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, là. Je vais retourner sur mes pas pour l'instant. Je pense qu'il me manque un objet.
Tantôt, Varador l'a mentionné lui aussi, chevalier de Baphomet sur PS1. Ouais, mais c'est pas stressant. Ben, c'est pas stressant. À Dead of Night, c'était quand même stressant comme point and click, mais encore une fois, c'était vraiment un jeu d'horreur aussi, là. Mais en général, c'est quand même relax, là. Lui, il est quand même un peu. C'est comme lui que je suis en train de faire, c'est pas joyeux, là. Il t'avertit au début que c'est ça, ça parle de contenu pouvant perturber les gens, dans le sens que ça parle quand même clairement de dépression, de problèmes en tout genre, là. Mais c'est pas un jeu stressant quand même, là. Oh, la poche de sang! Trop impossible de l'atteindre. Ok, il faut que je trouve un moyen d'atteindre ça. Examinons ça. Ok, il faut que je pogne lui. Fait que lui en bas, c'est correct. C'est assez grandiose, mais un peu macabre à mon goût. Mais ce n'est que mon avis. C'est quoi un orgue? Joli, mais fonctionne-t-il encore? Je fais juste une note. C'est-tu Freddy at Five Patente, ça, FNAF? Les chevaliers de Baphomet sont bons. Ok, t'as pas aimé les récents. À partir du troisième, c'est mai en esti. Ouais, Five Nights at Freddy, ouais, mais pour vrai, Five Nights at Freddy, j'ai déjà vu des gens streamer ça, pis. Genre, je comprends pas le trip de ces jeux-là, puis il a l'air d'en avoir beaucoup. Mais genre, je me dis, c'est peut-être stressant au début, mais après, tu t'en calisses. Genre, je sais pas, là, j'ai pas accroché là-dessus, là. Non, moi non plus, ça m'attire pas du tout. Genre, j'aime bien, j'ai déjà fait des jeux d'horreur, tout ça, mais ceux-là, je suis comme. C'est fucking répétitif, t'es là à attendre. Puis à essayer comme de pas te faire pogner, mais je sais pas. J'ai pas trouvé que ça avait l'air intéressant. C'est laid. C'est bizarre. Peut-être qu'en y jouant, ça doit être moins plate, je sais pas, là, mais moi j'ai pas tant aimé ça, regarder ça, là. Trop petit pour moi, malheureusement. Oh, il y a des leviers. I don't know what I'm doing. Ah, ok, oui. Je crois savoir c'est quoi. Mais là, il y a des tubes partout. Ok. Ah, c'est fou, ça va être mêlant, cette petite place-là. Lui. Ça, on l'envoie là, ça amène où? Ça amène à un tube brisé. C'est quasiment impossible que ce soit en lien avec ça. Puis ça l'amenait à quoi? Là, je vais suivre le tube là, pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça amène aussi à un tube brisé. Bon, ça a peut-être pas rapport finalement. Peut-être pour l'autre. Je vais le mettre là pour l'instant. C'est en rapport avec l'orgue en plus. Moi, je sais que c'est de plus en plus dur, mais ça reste le même concept, là. Puis je sais qu'il y a plusieurs jeux de ça. Quel étrange édifice, comme une poupée russe à l'intérieur d'une plus grande. Est-ce à cet endroit que les patients suivaient leur traitement? Il y a mon nom. Il y a un nom écrit ici. C'est maman? Pourquoi ne l'ai-je jamais su? Quand étais-tu ici? Tant de médicaments. Est-ce qu'il t'aidait, maman? T'apportait-il au moins un semblant de paix et d'équilibre? Et ça, c'est les trucs là, que les psychologues disent. Qu'est-ce que vous voyez? Là, j'ai ramassé. C'est quoi ça? Une cartouche de je sais pas quoi. Une diapo, ouais.
T'as fait les Resident Evil jusqu'au 5 et les deux premiers Silent Hill. Ok, c'est sûr que ceux-là, c'est plus des survival horreur que des jeux d'horreur en tant que tel, mais ils sont plaisants pour vrai. J'ai beaucoup aimé les deux premiers Silent Hill. Puis pour l'instant, en stream, j'ai juste fait Resident Evil 1 remake, mais c'est ça, j'aimerais ça en faire d'autres là. Ah, j'avais pas fini. C'est déchirant de lire ça. Ma mère réduite à des notes. C'est clairement une place de psychologue, là. Je sais pas trop. Je ne pense pas que c'était utilisé pour des soirées cinéma. Ah, je peux-tu mettre ça là? Ouais, c'est. Utilise-t-il encore ce test? Si vous voyez un chat, vous êtes sain d'esprit. Si vous voyez un chat mort, vous êtes un psychopathe. Pour vrai, là, je sais pas si c'est encore effectivement. On voit ça dans des films, mais est-ce que c'est des trucs qui sont utilisés dans la vraie vie, genre? Des espèces de symboles. Qu'est-ce que tu vois? Genre, moi, à part des taches de peinture, je vois pas grand-chose. C'est utilisé pour vrai? Test de Rorschach. Je le dis pas en tout croche. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais répondre à ça. Donc là, j'ai ce symbole-là. Je sais pas si ça va être un indice pour d'autres trucs. Ok, c'était pas le même. J'ai encore deux pièces, j'ai pas été voir. Désolée, Émilie, je voulais protéger. Ça doit être sa mère, ça. Je ne veux pas d'excuses, je veux sortir de là. Mais ouais, il y a plein de tuyaux partout, là. Va falloir que je les suive puis que je. Ah! Oh! Je le sais! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La capsule rouge. Moi, je pense que je vais la mettre puis que je vais l'envoyer pour aller décrocher la poche de sang comme ça. Ouais, je pense savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Moi, je vois des yeux avec des danseuses de ballerines. Ça veut dire quoi, Doc? Hein? Je sais qu'elle est en pierre, mais elle a l'air si douce comme un oreiller. Verrouiller, c'est sûr. Ouais. C'est d'autres choses là, que je vais devoir utiliser. Ok. Fait que là, ça, faudrait que je le fasse tomber. Ok. Suivons les tuyaux. Comme ça, en haut. Comme ça. Ça, c'est le premier en haut. Donc, lui ici. Je l'envoie. Aha! J'ai trouvé! Donc là, je vais aller récupérer qu'est-ce que je viens de pitcher à terre. Puis il y avait clairement quelque chose dans le contenant. Ah oui, ça je sais où aller placer ça. Mais là, il s'ouvre pas. À moins que je le mette carrément comme ça. Attends un peu. On va aller à la salle là, que j'avais vue. Si je me souviens, c'est où? Parce que c'est assez mêlant. Ça aussi, je pense que je peux couper la corde en envoyant. Je peux-tu le faire tout de suite? Je suis quand même pas loin. C'est lui en bas. Et c'est lui complètement ici. On va aller récupérer le sac de sang. Tadam! Et
Le sac de sang. Je ne suis pas médecin, mais ce sang a un aspect immonde, comme s'il y avait des particules à l'intérieur. Ben, c'est peut-être un vieux sang qui est en train de sécher, je sais pas, là. Ça a l'air un petit peu abandonné comme endroit, on va se le dire, là. Ça dit que je ne peux pas franchir cet endroit avec du métal. Ah, fait que là, faut que je l'envoie dans le... Ok, ouais, je comprends la patente. Ah, ok. C'est compliqué, cette niaiserie-là. Oh, attends, là, je me suis perdue, là. Ok, c'est ici. Comme ça, lui en haut. Fait que lui en haut, c'est le troisième. Let's go! Fait que là, il va traverser de l'autre côté. Tadam! Bon. Fait que là... Fait que ça, je l'utilise pour... Ok, pour enlever justement ce qu'il y a à l'intérieur du pot. Tantôt, ça marchait pas parce que le pot était vide. Fait que là, je peux garder mon pot, puis j'ai de la pièce à l'intérieur. Quelle drôle de petite chose, comme une vieille puce d'ordinateur ou une pièce électronique. Puis ça, ça va à l'espèce de panneau ici à côté. Et voilà! Ah, j'ai besoin d'un code à 3 chiffres. Bon, j'ai pas fini de faire le tour, mais il me faut un code à 3 chiffres. Ok. Fait qu'il faut que je revienne avec un code. Mais là, j'avais mon sac de sang que je crois savoir quoi faire avec, si je peux retrouver la place. Ici. Que ça a fait bouger la statue. Il y a clairement quoi, non? Une photo, mais trop petite pour voir quoi que ce soit. Trop petite pour voir quoi que ce soit, mais je peux pas la ramasser? Servait à quoi ça? What? Ah! Faut peut-être que j'envoie la patente pour donner un coup, genre! On va suivre le tuyau. Tuyau. C'est ici, je le baisse. C'est ici, je le baisse. C'est que c'est lui en bas. Lui en bas. C'est lui complètement. À droite. On va donner un coup à la tête de la statue. Crash la photo! Oh fuck! Je me suis trompée! C'est pas là que je voulais l'envoyer! Attends un peu, je me suis fucké où là? Je vais récupérer mon tube là. C'était clairement pas là. Ah ok. C'était lui en haut. Ça? Je suis un peu mêlée. On va l'essayer. Ah, yes! Allez, donne-moi la photo! Bon. On va récupérer ça. Ah! Ok! Fait que là, j'en ai trouvé un. Il m'en faut encore deux autres. Parce que c'est les diapos, ça. C'est prendre qu'est-ce qui permet de donner des chiffres, je sais pas. T'as l'intérieur de ça. Mais ça donnait pas un chiffre, là.
Je vais regarder ce que ça fait, ça. Ça a comme rajouté de quoi par-dessus, dans le fond, là. Faut que j'en trouve encore deux, parce que j'avais l'inscription 4 sur 4, puis 3 sur 4. Fait que j'en ai d'autres à trouver. La musique est lugubre à cette place-là. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais faire? Je vais peut-être envoyer encore mon contenant rouge quelque part. Que je fasse le tour. Bon, ici, j'ai pas de tube. Est-ce que ça fait de quoi si je l'envoie ici? Ça, c'était pour récupérer l'autre qui était bloqué. Je l'ai déjà fait. Je pourrais essayer de voir si ça fait de quoi de suivre lui. Ah non. Je peux pas aller là. Fait que ça, c'est fait. N'oubliez pas les gens, vous pouvez participer au tirage de la semaine en faisant point d'exclamation Enter dans le chat. Comme mon bot vous le rappelle. Ça, c'est fait. Peut-être qu'il y a une diapo derrière la patente à code aussi. C'est très possible. Ah, oh, j'avais pas cliqué là-dessus. Est-ce un hôpital ou une télé-réalité? Ah. Je sais pas. J'ai un autre code à trois chiffres à rentrer ici. Une chambre. Room. J'ai-tu quoi? Ça, y avait-tu une chambre? Ah, 510! Peut-être. Ah! Ce sont mes dessins. Elle ne les a pas jetés. Alors, il devait beaucoup compter pour toi, maman? Hey, c'est le poster du premier chapitre avec les constellations. Je me sens tellement vide, comme s'il ne restait plus rien en moi. Je veux rentrer à la maison pour tout recommencer. Puis-je, s'il vous plaît? ...208, 301, 403, 510. C'est quoi les autres chiffres? Je sais pas s'ils sont nécessaires, mais je pense que je vais me les noter. C'est même pas un total parce que ça donne pas 510 tout ça, non? C'est peut-être le même code pour l'autre patente avec les médicaments. OK. Ah, pis ça, je peux envoyer la capsule là-dedans? En haut. En haut, ça serait le deuxième. Non, c'est pas là. Pas en tout. Me suis trompée! D'un peu, là. Je l'ai envoyé où, moi, là?
Faut que je retrouve la place, là. Ici. Chris m'a pas envoyé à bonne place. OK. Ah, c'est parce qu'il y en a deux qui arrivent du même place, c'est lui. OK, c'est lui en bas. C'est le premier. C'est pour ça que ça m'a mélangé. Ouais, j'ai tout détruit. Good, on va aller voir ça. Une nouvelle pièce. Ah, c'est un hôpital ou une télé-réalité? C'est la même affaire que tantôt. Si je fais, mettons, 200 vite. Ah, OK, c'est tout pour des pièces différentes. Les murs sont couverts d'un matériau capitonné. C'est soi-disant pour protéger les patients, mais je pense que c'est plutôt pour ne pas les entendre crier. OK. J'avais 301. Combien y a-t-il de pièces ici? Le monde entier est-il séparé en petits éléments nécessitant tous de l'aide? 403. C'est pas mal la même affaire, lui. C'est la même affaire. Et on voit qu'il y a comme une diapo ici, genre. Tellement de pièces, tellement de patients et tellement de tristesse, mais l'espoir aussi d'aller mieux. Je sais qu'il n'y a personne ici, personne nulle part, mais je les sens tout de même, leur histoire imprimée dans les murs et dans les pierres. Dans une pièce aussi vide et froide, comment peut-on aller mieux? Cela ne me semble pas bon. Les vrais hôpitaux ne sont pas comme ça. Je peux pas rien faire ici. J'ai pas l'air de pouvoir faire quoi que ce soit. On me dit que je passe une pièce capitonnée. OK. C'est plusieurs chambres, attends un peu. La chambre, je peux-tu y aller? C'est aussi a rien. Toutes des maudites pièces vides. Est identique à l'autre. Il y en a combien de ça? Il y en a beaucoup. Là, je me sens dans l'obligation de toutes les faire au cas où. Oh. Il y a un truc au milieu ici, mais qui fait rien. C'est les pièces les plus plates du jeu, ça. Elles sont toutes pareilles.
t'as un ascenseur à la fin. Il y a un banc qui est pété. What the fuck? Il y a un lit dans l'ascenseur? Mais jusqu'où s'enfonce donc cet endroit? C'est comme si le plus grand des gratte-ciels avait été bâti à l'envers. Ah! C'était dans la chambre 510 qu'il y avait la patente qu'on avait besoin. Et dans le fond, il prend genre 20 millions de pièces, toutes pareilles, mais on s'en fout. L'ascenseur ne veut pas aller plus loin, ce n'est jamais un bon signe. Mais j'ai dû peux aller au cinquième étage? Moins deux? Y a-tu moyen de descendre? Peut-être en allant à l'opposé complètement? Là, clairement, refaire toutes les pièces, ça sert à rien. Faut que j'aille à la chambre 510. Oh. Non, c'est pas un autre ascenseur. Comment je fais pour descendre plus bas? Ben c'est ça. Dans la chambre 510, il y a la patente, là, la diapo que je dois aller chercher. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille dans la chambre 208. Puis il va y avoir de quoi, vu que là, je suis au deuxième étage. On va aller voir la chambre 208. Ah, 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 ah! Cet arbre ne cesse de me suivre, est-elle un chien fidèle? Ou peut-être attend-il le bon moment pour m'attaquer? Là, on peut descendre dans le trou ici à une échelle. D'accord. Fait que là, je passe par la chambre 301 à partir d'ici. Non, dans l'autre sens. Là, on descend. Le 403 après. C'est encore mieux qu'un ascenseur, des échelles dans le sol. Puis là, je suis au cinquième étage. Fait que là, on va à la chambre 510. Était-ce ta chambre, maman, si petite? Est-ce pourquoi notre maison paraissait trop grande et trop effrayante? Tant de médicaments, trop pour une seule personne, tu aurais pu... Ah oh non, maman. Fait que là, j'ai une autre diapo. Pourquoi, maman? Est-ce mon absence qui te perturbait tant? Il semble que nous sommes toutes deux des victimes. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, ils m'ont ramené ici. Ils sont gentils. D'accord. Puis là, il manquait l'autre truc avec un code à faire ou les médicaments. Puis là, je me pose juste la question si c'était juste 510 aussi. Fait que je vais aller vérifier si je peux retrouver c'est où. Ah, c'est ça. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment de la misère avec ce système-là. Ah ouais. Ah 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 ah! Trouvé! Ma mère a pris ses pilules pendant des années. Quel effet avait-elle sur son corps, sur son esprit? L'ont-elles aidé? Là. Et c'est ça, la dernière. Fait que j'ai les deux diapos qui me manquaient. Fait qu'on va aller les porter. J'ai l'impression que ça va être la fin du chapitre aussi avec ça.
Donc, sa mère a quand même fait un séjour assez prolongé à l'hôpital, de ce qu'on comprend. Bon, d'où la musique est stressante, je trouve. Genre, calmez-vous, là! Donc là, ça fait... Ah, ça fait la tâche qu'il y avait derrière la note. Le bâtiment entier s'apprête à s'effondrer. Beau travail, grand-père. Si froide comme de la neige fondue. Ont-ils été abandonnés ici? Les patients que personne ne venait chercher? Ou c'est vrai qu'il y a des squelettes, genre? C'est quoi, ils ont enterré les patients ici? Qu'est-ce que c'est ça? C'est weird. La musique est vraiment creepy, mais on est à une place creepy aussi, là. Il y a genre des restants humains. Quoi que ça fasse, j'espère que ça va nous sortir de là, maman. J'ai vidé l'eau. Tu sais qu'il y a plein de squelettes. Bon, clairement, par exemple, c'est plus des... On dirait des becs d'oiseaux, comme les squelettes d'oiseaux qu'on a trouvés. Une barque. C'est fait avec du bois provenant d'une clôture de jardin. Il y a encore de la peinture fraîche dessus. Comme si j'allais rattraper la personne qui crée tout ici. Oh, on a trouvé la morgue. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a ici. Ben là, moi je veux savoir, ok? Je peux pas fouiller les cadavres. Je peux rien faire, pour vrai. Clairement, non. Ah! Oui, 510! Non, non, maman. Quand est-ce arrivé? Où es-tu? Où êtes-vous tous? Ben, on sait même pas s'il y a quelqu'un. Attends. Oui, ça ne va pas. Ce n'est jamais arrivé. Ou ce n'est pas encore arrivé? Encore l'espèce de truc noir. J'ai un succès. Let us pray. Acte 5. La forêt, quelques minutes plus tôt. Quelques minutes plus tôt. J'espère que cette rivière conduit à la sortie de cet endroit. Je sais pas si ça va finir qu'on se rend compte que notre bonhomme est mort, là, ou je sais pas, là. Hey, je reviens, je vais vous mettre un peu en be right back avant de continuer le jeu, je vais aller aux toilettes. Ça sera pas bien long. Journal de votre fille 11. Hé, docteur, vous vous souvenez de mon père? That's me, I am your daddy. Bon, c'est un peu louche dit de même, hein? T'aimes pas ça, là, les pieds avec de la croûte là, entre les orteils, voyons? Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Salut Revax, salut Wexar, salut Tiger. Merci Wexar de ta contribution des filles célestes. Sinon, merci aussi pour le follow, what the fuck, que j'ai eu en live de Québec League. Merci beaucoup. Pourquoi, genre, je me mets à jouer au jeu puis il y a un crapaud géant qui apparaît à côté de moi? Ok, je te tiens. Au nombre de convoqués dans ce jeu-là, de toute façon. C'est un peu intense pour un crapaud quand même.
je détruis la planète pour tuer un crapaud, quasiment. Let's go! Hein? Ce crapaud n'existe plus. Merci. De retour, désolé de l'attente. Bon, reprenons ça. Fait que là, on est rendu dans une forêt. J'ai hâte de voir. Cet endroit semble familier et sûr. Je pense que c'est là que je dois être. Là, ça disait quelques minutes plus tôt. J'ai vraiment l'impression qu'on a eu un accident au camping ou je sais pas quoi, là. En tout cas, on verra bien. C'est là où j'allais camper avec mon père, ensemble autour du feu, à regarder les étoiles. Maman m'achetait sans cesse des livres. Elle voulait que je reste à la maison, près d'elle, à m'échapper dans d'autres mondes, ne pas aller dans les bois. Il voulait toujours tout savoir de mes camarades de classe, des secrets qu'ils me confiaient. Je suis là, au centre de ce petit univers, et je comprends. Là, on est rendu dans la cabane, la fameuse cabane. Des souvenirs de nos séjours en camping. Ce furent de bons moments, mais je dois voyager seule maintenant. Même mon sac à dos est là, avec toutes mes affaires dedans. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai mangé, du goût des aliments. C'est pas la première fois que la personne dit des choses comme ça, genre je me souviens pas du goût, puis en tout cas, comme c'est quoi qu'il disait tantôt, qu'elle se souvenait pas de la sensation du froid, ou je suis plus sûre. C'était un peu bizarre, pareil. L'extérieur est dénué de sens désormais. Je dois être là, à l'intérieur. Ah, c'est ça, de la sensation de soif. Fait qu'elle a la personne n'a plus soif ni faim. Je trouve que ça l'augure vraiment mal, genre. Je suis sûre qu'elle est morte! Les constellations, mes compagnes éternelles, au moins elles n'ont pas changé. Ouais, c'est ça, ton perso est mort, c'est clair! Hein? Je suis un zombie! Hein? C'est quoi qu'ils disent, là, quand on meurt, on revit toute notre vie en l'espace de 5 minutes, là? Il ressemble au mien, mais en plus vieux. À moins que je n'aie erré pendant des années dans cet endroit. Attends, là, ils ont marqué... C'est quoi que j'avais fait? J'avais fait la Vierge puis le Lion? Ça va-tu être la même affaire? Léo... La Vierge est pas là? Ah oui, elle est là. Vierge. Non, ça sera pas ça, hein. Ok. C'est encore un truc avec deux patentes à faire. Tous les livres que maman m'a donnés sont là. Ils m'attendent, comme s'ils savaient que je reviendrai un jour. Ça ressemble désormais à la maison, entourée de mon désordre. Fermée. Mais je ne sais... Mais je sais que je dois aller là. Ok, j'ai eu de la misère à lire cette phrase. Ok, fait que là j'ai de quoi à faire avec le globe. Prends avec des constellations, je vais trouver, je sais pas trop comment encore. Je n'ai jamais rien vu de semblable, juste imaginé par le biais des contes de fées. Rien, son empreinte familière subsiste, mais il est parti. Est-ce qu'il m'a laissé ma propre petite cabane dans les arbres? Mon télescope, il a l'air si fragile et ancien.
C'est ma chambre, à moins que je ne sois dans ma chambre maintenant. Est-ce que je regarde quelque chose qui n'existe plus? Je vais aller voir. Heureusement que j'ai pris en photo tout à l'heure la carte des constellations. T'as un peu. Je vais aller la rechercher, là. J'avais pris d'autres choses en photo. Galerie. Ça, c'est Aquarius. Aquarius, c'est Verseau, ça, je pense. Mais c'est Aquarius. OK. En as-tu d'autres? Fait que j'ai celui-là, faut que je trouve un autre. OK. Ah, puis là-dessus. Ça en est une, ça? C'est Sagittaire. Verseau et Sagittaire. OK. On va aller les pitonner sur le globe. Et voilà! Et j'ai une clé. Cette clé paraît ancienne. Ben là, je vais pouvoir l'utiliser pour aller là. L'espace autour de la pièce s'embrouille. Ça va pas bien. Tout ce temps, je voulais juste disparaître dans mon lit. Maintenant, je suis à la maison, prête à fermer les yeux. Oh, c'est une femme. Il me semble que c'est la première fois qu'on l'entend parler au féminin. Ou j'avais pas remarqué. C'est-tu déjà fini cet acte-là? C'est-tu la fin? Je pense que c'est la fin. Mais clairement, on est mort, là. What? Je suis comme pas certaine de la fin. Là, j'ai pas remarqué s'il y avait des pièces que j'avais pas checkées. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai manqués aussi. Je suis allée peut-être trop vite sur certaines choses. Mais c'est ça, il y a le chapitre 2 que j'ai passé trop vite sur un truc, que j'aurais peut-être pu trouver plus d'informations. Puis il y a la fin, là, j'ai pas remarqué s'il y avait des pièces que j'ai pas faites. Mais ouais, c'est vrai que ça finit un peu. Voici la fin. Genre, OK. GG! OK, je savais que c'était pas un jeu long, là. C'était cool, mais on va peut-être le refaire vite vite pour vrai hors stream pour aller vérifier qu'est-ce que j'aurais peut-être manqué. C'est une fin de merde. Ben, je trouve que c'est pas très bien expliqué sur certaines choses là. Mais les puzzles étaient cool, pour vrai. Comme je dis, genre, je sais que dans le premier acte, il y a de quoi que j'ai trouvé purement au hasard, que clairement j'aurais dû trouver d'une autre façon. Fait que là, c'est pour ça que je vais prendre le refaire en stream, de toute manière, à cette heure, je sais où aller. Mais juste pour faire convenablement les trucs, puis peut-être que ça me permettrait de voir des fois des pensées ou des scènes que j'ai pas vues. Puis à la fin aussi, que j'ai peut-être été trop vite. Moi, genre, je me suis dit, je vais ouvrir la pièce pour continuer, mais là, je sais pas si j'avais tout exploré les autres pièces, j'aurais peut-être pu continuer à lire, là. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais à cette heure que je connais le jeu, je devrais pouvoir faire tout refaire ça en même pas 2 heures, si c'est pas 1 heure et demie, genre. Mais c'était cool. C'était le fun. J'ai quand même aimé ça. Mais clairement, la personne n'a pas eu une vie joyeuse. Je vais peut-être faire un peu d'Hatsune Miku, pour vrai.
Ça me tente pas trop d'embarquer sur Red Dead, puis j'ai pas d'autres gens en cours. Ça fait quoi ça? Je peux retourner dans ma game? Ça fait quoi? Ah, attends! J'avais pas vraiment une pièce, hein? Non, finalement, je pense qu'à la fin, c'était vraiment très court. Genre, j'ai comme quatre pièces, puis la dernière pièce, c'est elle que j'ai ouverte. Ah, il est vraiment court, le dernier chapitre, ça veut dire. Fait que c'est juste ça à la fin. Ça serait cool qu'il y ait un moyen de charger un acte en particulier, mais il faut que je recommence du début, là. Ben, coudonc. Mais bon, c'était ça. Mais c'était cool, là. C'est comme je disais, c'est un jeu que j'ai eu dans Humble Dumble. Ça venait avec plein d'autres jeux, là. Fait que c'est quand même nice. Je sais pas, en temps normal, il coûte combien sur Steam? Je vais aller voir. Je suis curieuse. Onze et 49, genre prenez ça comme en rabais, là. En plus que ça m'a même pas pris 4 heures le jouer, là. Tu pognes ça quand il est vraiment pas cher ou justement avec d'autres jeux, là, parce que moi je paierais pas nécessairement 11$ pour un jeu qui dure même pas 11 heures. Bon, je vais plugger ma PlayStation 5, je crois. Ça sera pas long. Vous allez voir mes bras en gros plan pendant que je plug ça, qui est sur le dessus de mon bureau. Là, je vois pas grand-chose de ce que je fais. C'est-tu la bonne affaire, ça? Je pense que oui. Oui. Bon. Yep. Ça, je vais fermer ça. En profiter pour aller changer le jeu sur Twitch. Ça se peut que ça lague un peu avant d'ouvrir ma capture card puis que tout se mette à laguer en crise. Non, 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 je veux pas faire ça. Gestionnaire de stream. Modifier les infos. Et voilà. Ah, j'ai oublié. On va changer de titre aussi. Et voilà. La musique! Je vais vous casser les oreilles avec ma Tsunemiku! Comme je dis, je le sais que c'est pas le genre de jeu qui est le plus populaire sur Twitch, mais c'est ça. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis j'ai même pas encore fait le tour de toutes les chansons dans ce jeu-là. Genre au moins une fois, là. Et je me dis, je vais au moins faire une fois chaque chanson, là. Mais c'est ça, Red Dead, je vais y jouer en fin de semaine. En fait, c'est ça, c'est juste que j'avais comme pas trop envie d'embarquer sur Red Dead à soir. Puis je m'étais dit que j'avais envie de faire autre chose, en fait. Puis fait que Red Dead, je devrais le continuer. En fin de semaine, je sais pas quand je vais streamer. Soit samedi ou dimanche, mais je sais pas encore quand. À un moment donné. Puis là, Amnesia devrait bientôt être terminée, hein? 84%, ça arrive. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je verrai. Je sais pas si je vais avoir bien peur pour Amnesia, pour vrai.
Ça me stresse un peu quand même. Les jeux d'horreur me stressent tout le temps. Oh. Ce sera pas long, je suis en train de plugger ça puis de partir ça, là. Ta 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 ta. Ça a l'air pas pire. Oh non! Mets-toi pas à gricher. On dirait que la capture card sait quand je joue à Tsunemiku. Et la capture card décide de me faire chier à toutes les fois que je veux jouer à Tsunemiku et elle se met à gricher. Genre, le jeu est même pas parti, là. C'est pas le jeu. C'est un esti d'addon que ça fasse ça, genre. Je comprends.